Eu cumpro informes instruções de além e as bruscas frases que aos meus lábios vêm soam-me a um outro e anómalo sentido. Une vie, une œuvre. Fernando Pessoa, celui qui était personne. Une émission proposée par Hubert Juin et Jean-Claude Loiseau. Un poème est une personne, un être humain vivant, appartenant par sa présence corporelle et authentique existence charnelle à un autre monde où notre imagination le projette, et l'aspect sous lequel il se présente quand on le lit de ce monde-ci n'est rien que l'ombre imparfaite de cette réelle beauté qui, ailleurs, est divine. Je caresse l'espoir de me trouver un jour, après ma mort, dans leur présence réelle, dans la présence des quelques enfants que j'ai créés jusqu'ici, et j'espère les trouver beaux dans leur immortalité de rosée. Pessoa avait, à mon avis, la conscience parfaite de son génie et de ce que l'avenir pourrait lui porter en tant que poète, écrivain, philosophe, etc. Donc il était parfaitement conscient et c'était pour lui la chose la plus importante de sa vie, c'était son œuvre. Si, lorsque je serai mort, on veut écrire ma biographie, il n'y a rien de plus simple. Elle n'a que deux dates, celle de ma naissance et celle de ma mort. Entre une chose et l'autre, tous les jours sont à moi. Philippe Arbézard, au Centre Pompidou, vous avez organisé l'exposition Fernando Pessoa d'une part, et d'autre part, vous avez rassemblé les éléments d'un ouvrage collectif multiple, Fernando Pessoa, poète pluriel, qui a vu le jour dans les cahiers édités par le Centre Georges Pompidou et relayés en l'occurrence par les éditions La Différence. Or, il y a ceci. Voilà un homme qui naît à la fin du 19e siècle, qui est élevé à Durban, ne l'oublions pas. À Durban, sa langue devient l'anglais. Il emporte d'ailleurs un prix important en anglais, justement, dans cette langue qui n'est pas la sienne. Il écrira des poèmes en anglais, qui seront publiés d'ailleurs en plaquettes. Bien sûr, les Anglais n'y voient pas ce que les Portugais n'y voient pas non plus, et ce que nous pouvons peut-être voir par la réfraction des traductions. Mais il est donc à Durban, il revient. Il revient irrésistiblement, il pourrait rester là-bas. Il pourrait faire ce qu'il va faire au Portugal, c'est-à-dire de la transaction commerciale, du secrétariat commercial, nous dirions. Or, il revient irrésistiblement à Lisbonne. Et à Lisbonne, quoi? Voilà quelqu'un qui fréquente les crèmeries le matin, qui va de temps en temps à son bureau, qui vit dans des logements pratiquement, disons, anonymes, et qui le soir prend un très grand plaisir à fréquenter des bodegas, des cafés, il boit de l'alcool assez fort, et il meurt jeune donc, à l'hôpital, atteint d'une cirrhose du foie. Enfin, il a un seul amour, est-ce un amour? On ne sait pas. Mais à tel point qu'on a quand même pu soutenir un certain temps que finalement Pessoa effectivement n'existait pas, enfin existait ce personnage falou, mais qu'il simplement, il servait de porte-drapeau, ou de nom à ce moment-là, de pseudonyme, à des jeunes portugais de tendance futuriste, qui ne voulant pas écrire exactement sous leur nom, avaient choisi Pessoa.
comme pseudonyme collectif, d'où la multiplicité de l'œuvre. Ceci est évidemment absolument controuvé depuis qu'on a remis aux autorités de Lisbonne, à la mairie, je crois, ou à la bibliothèque, les 27 000 et quelques pages manuscrites, la fameuse malle, qui est incontestablement de Pessoa lui-même. C'est un parcours très original, et je crois que c'est un parcours à travers une culture, à travers des langues, et ça lui donne, je crois, toute sa pertinence et son identité totalement originale. Je crois qu'il est sans rapport avec d'autres artistes ou avec d'autres poètes. Effectivement, il part de l'anglais, il choisit la langue portugaise et il va mener cette vie totalement à l'écart et totalement asociale. Alors, je crois que là, il y a quand même quelque chose qui joue pour nous, de point de vue imaginaire. Ce que l'on voit, c'est ce personnage. Effectivement, ce personnage qui est très proche de la folie par certains côtés, de la haine du corps, c'est quelque chose aussi qui aujourd'hui nous parle, je crois, quand nous sommes un peu revenus des idéologies de la libération et qu'au fond, on voit que ce n'est pas aussi simple et qu'il y a un rapport au corps, un rapport à la femme, à l'érotisme, qui est très complexe et que Fernando Pessoa met en scène justement en se multipliant, en ayant ces rapports si particuliers avec les êtres, parce que je crois que non seulement avec Ophélia, mais avec tous ses amis ou tous les gens qui l'approchaient, il avait des rapports assez difficiles. Je crois que c'était quelqu'un d'absolument solitaire et totalement invivable. Alors, aujourd'hui, c'est quand même fascinant. Vous voyez, quand je regarde un peu rétrospectivement, aujourd'hui, on se plaint, on se dit, il n'y a plus de poète aujourd'hui, c'est fini. Que peut être un projet poétique en France aujourd'hui? Or, regardez, début du siècle, Portugal, un pays qui ne tient pas le devant de la scène à ce moment-là, et ce garçon, ce tout jeune garçon qui arrive d'Afrique du Sud, se permet d'être un grand poète. Il dit « je vais être aussi grand que Camões ». Et puis, il invente plusieurs poètes avec des styles différents. Je crois que là, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui doit nous donner à réfléchir sur, effectivement, le destin de la poésie aujourd'hui. Bon, on se dit que, bon, on a peut-être remis en question beaucoup de choses, mais est-ce qu'on a été vraiment très, très créatif par rapport à Pessoa, qui avait inventé différentes formes poétiques et qui avait su terriblement en jouer. Puis alors, il y a quand même autre chose aussi qui, bon, sur notre destin historique, je dirais, et je crois que c'est très bien mis en scène par Pessoa, mis en scène, je ne dis pas que ce qu'il dit est à prendre au pied de la lettre, mais bon, il vient, il a un destin, je l'ai dit, c'est un personnage, un individualiste, à l'écart de tout, qui vit très mal, qui est perdu dans des rêves enfin, délirants aujourd'hui, et qui a une poésie qui nous parle aussi parce qu'elle est un peu intimiste dans certains côtés. Bon, alors là, il faudrait voir aussi, mettons, dans le journal de l'inquiétude, qu'il y a des choses qui peuvent donner à penser à Joyce, aux épiphanies, mettons. Bon. Et puis, il y a ce côté gloire du Portugal. Il y a un écart, si vous voulez, total entre, d'une part, le passé glorieux, qui est mis sur un plan totalement imaginaire, et le destin individuel de ce personnage. Et si vous voulez, là, il y a une, je sais pas, quelque chose qui est tordu, et je crois qu'il y a un peu aussi notre situation actuelle. Je répondrai maintenant à votre question sur la genèse de mes hétéronymes. Je commencerai par la partie psychiatrique. L'origine de mes hétéronymes est le trait d'hystérie qui existe au fond de moi. L'origine mentale de mes hétéronymes se trouve dans ma tendance organique et constante vers la dépersonnalisation et la simulation. Ces phénomènes, heureusement pour moi et pour les autres, je les ai mentalisés, autrement dit, ils ne se manifestent pas dans ma vie pratique extérieure et dans mes rapports avec les autres. Ils explosent vers l'intérieur. Et je les vis seul avec moi-même.
Si j'étais une femme, chez la femme, les phénomènes hystériques éclatent sous forme de crises et de choses semblables. Chaque poème d'Alvaro de Campos, le plus hystériquement hystérique en moi, sonnerait l'alarme pour les voisins. Mais je suis homme. Et chez les hommes, l'hystérie prend surtout des aspects mentaux. Ainsi, tout se termine en silence et poésie. Ceci explique, tant bien que mal, l'origine organique de mon hétéronymie. En ce qui concerne notre auteur, un document d'une importance considérable vient de paraître en traduction française. Il s'agit de Pessoa en personne, aux éditions de La Différence. C'est un livre qui est fait de lettres et de documents réunis par José Blanco, qui est par ailleurs administrateur de la fondation Gulbenkian à Lisbonne. Et il nous livre là à peu près toute la correspondance aujourd'hui accessible de Pessoa. Et évidemment, on voit là cet homme s'animer, on voit les hétéronymes prendre corps, et j'aimerais bien que José Blanco nous parle lui-même de ce travail. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de réunir, pendant la très grande correspondance de Pessoa, des documents qui puissent révéler différentes facettes de sa personnalité, surtout en tant qu'homme, aussi en tant que poète, mais surtout donner une idée de sa personnalité très complexe. Évidemment, je dis ça très modestement, parce qu'à mon avis, c'est une tâche impossible. Mais je crois qu'à travers ces documents, on peut entrevoir la vraie personnalité de Pessoa. La vraie, je ne dis pas les vraies personnalités. S'il y a des masques ici, évidemment, il utilise toujours, à mon avis, des masques. Mais par exemple, il y a une lettre dans ce recueil qui dirige à sa tante, qu'il aimait beaucoup, qui, à mon avis, est un document très intéressant. À mon avis, il n'utilisait pas de masque quand il a écrit cette lettre. C'est une lettre très directe, très humble, si vous voulez, pour expliquer les phénomènes médiumniques dont il était l'objet. Et là, je sens, mais c'est seulement une chose très personnelle, que là, il était tout à fait sincère. Vers la fin de mars, si je ne me trompe, j'ai commencé à être médium. Figurez-vous, moi qui, vous devez vous en souvenir, étais un élément retardateur au cours des séances de semi-spiritisme que nous tenions, je me suis mis tout à coup à l'écriture automatique. Un soir, j'étais à la maison, rentrant de la Brasileira, quand j'ai eu envie, littéralement, de prendre une plume et de la poser sur le papier. Bien entendu, ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte de cette impulsion. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pris cela pour le geste, naturel quand on est distrait, de prendre une plume et de griffonner. Pendant cette première séance, j'ai commencé par tracer la signature, que je connais bien, Manuel Gualdino da Cunha. J'étais bien loin de penser à l'oncle Cunha. Après, j'ai écrit des choses indistinctes, sans intérêt ni importance. À tante Annika, Lisbonne, le 24 juin 1916. Certains critiques ont douté de l'existence réelle de Pessoa, mais ceci, nous le dirons au cours de la présente émission. Il faut simplement penser que Pessoa n'est pas un pseudonyme et que Pessoa veut dire effectivement personne, mais alors attention, veut dire personne au sens latin du terme, c'est-à-dire le masque, et non pas au sens grec, le némo, c'est-à-dire l'absence de quelqu'un. Ici, il s'agit des masques. Or, tout le travail de Pessoa se fonde justement sur la multiplication des masques. Et il est très, très remarquable, mais nous allons peut-être en reparler, que Pessoa appelle l'un des hétéronymes les plus importants, d'ailleurs, bien sûr, Alberto Caeiro, mon maître, et un des autres hétéronymes, tout aussi important d'ailleurs, Alvaro de Campos, mon fils. Il y a donc là tout un rapport absolument extraordinaire dans lequel on voit finalement que de Caeiro, personnage imaginaire, poète imaginaire, émane à la fois Fernando Pessoa, poète, et
Alvaro de Campos, poète. Mais comme Alvaro de Campos est médiatisé par Pessoa, il devient le fils. Encore enfant, j'avais déjà tendance à créer autour de moi un monde fictif, à m'entourer d'amis ou de connaissances qui n'avaient jamais existé. Je ne sais pas, bien sûr, si réellement ils n'ont pas existé ou si c'est moi qui n'existe pas. En ceci, comme en toute chose, on ne doit pas être dogmatique. Depuis que je me connais comme étant ce que j'appelle moi, je me souviens de définir mentalement, dans leur aspect, leur mouvement, leur caractère et leur histoire, plusieurs personnages irréels qui étaient pour moi aussi visibles et miens que ces choses que nous appelons abusivement, peut-être, la vie réelle. Cette tendance qui me vient depuis que je me rappelle avoir un moi m'a toujours accompagné en changeant un peu le type de musique avec laquelle elle m'enchante, mais en ne modifiant jamais sa façon de m'enchanter. Mon père est mort et je crois que mon père, qui était qui était paysan dans le Pas-de-Calais, est mort à peu près content que je fasse ce métier, lui qui en était pas du tout persuadé. Alors j'ai pensé que ce serait pas bien de quitter ce nom. Personne, j'ai continué de garder mon nom, quoi. Fred Personne. C'est un nom que je revendique bien, Personne. Comme vous dites, c'est aussi Personne, le masque. C'est aussi, j'ai appris... C'était le nom du sieur de Roberval, la balance, l'inventeur de la balance. Et puis c'est Ulysse, hein, ou Teich, la caverne, le cyclope, qui es-tu, Ulysse, personne, etc. Enfin, bon, pour toutes ces raisons, et puis c'est pas vilain d'être aussi en parallèle avec quelqu'un comme Pessoa, non pas que je pense être un poète comme lui, mais en tout cas de dire des poèmes écrits par lui me semble une bonne rencontre. Plutôt le vol de l'oiseau qui passe et ne laisse point de traces que le passage de l'animal dont le souvenir demeure imprimé sur le sol. L'oiseau passe et oublie, et ainsi doit-il en être. L'animal, là où il n'est plus et par suite ne sert de rien, montre qu'il a été ce qui ne sert de rien. Le souvenir est une trahison envers la nature, car la nature d'hier n'est pas nature. Ce qui fut n'est rien. Ce souvenir... c'est ne pas voir. Passe, oiseau, passe, et enseigne-moi à passer. Je vais vous lire un passage de la lettre, la fameuse lettre des hétérosioles, les hétéronymes, datée du 13 janvier 1935, à Casage-Monteiro. José Blanco. Vers 1912, si je ne me trompe, et ce ne pourrait être de beaucoup, l'idée m'est venue d'écrire des poèmes de caractère païen. J'ai ébauché des choses en vers irréguliers, pas dans le style d'Álvaro do Campos, mais dans un style à demi régulier. Et j'y ai renoncé. Toutefois, dans une pénombre mal définie, c'était ébauché un vague portrait de la personne qui était en train de faire cela. À mon insu, Ricardo Reich était né. Un an et demi ou deux ans plus tard, j'ai eu un jour l'idée de faire une blague à Sá Carneiro, d'inventer un poète bucolique, d'un genre compliqué, et de lui présenter, je ne me souviens plus comment, comme une sorte de réalité. Je mis plusieurs jours à élaborer le poète, mais ne réussis pas. Un jour où j'avais finalement renoncé, c'était le 8 mars 1914, je m'approchai d'une haute commode et prenant une feuille de papier, je me mis à écrire debout, comme je le fais chaque fois que je le peux. Et j'ai écrit 30 et quelques poèmes d'affilée, dans une sorte d'extase dont je ne saurais définir la nature. Ce fut le jour triomphal de ma vie, et je ne pourrais en connaître d'autres comme celui-là. Je débutai par un titre, « Guardador de rebaños ». Et ce qui suivit fut l'apparition en moi de quelqu'un, à qui j'ai tout de suite donné le nom d'Alberto Cairo. Excusez l'absurdité de la phrase, mon maître avait surgi en moi. Bon, alors là, la fameuse lettre d'Adolphe Casage-Monteiro sur la genèse des hétéronymes, qui a contribué à, disons, à augmenter encore le mythe Pessoa, aujourd'hui, grâce à des travaux de critiques intertextuelles qui ont été faits au Portugal, il paraît que là, même en faisant semblant d'être très sincère
avec son interlocuteur, Pessoa ne décrit pas la création, l'origine des hétéronymes avec une fidélité absolue. À ce qu'il paraît aujourd'hui, par l'étude des manuscrits, le fameux jour triomphal de sa vie, où il avait écrit je ne sais pas combien de poèmes dans Sol G, c'était pas bien comme ça. Il a écrit quelques poèmes, mais c'est après un travail d'élaboration qu'il a fait toute cette construction pour s'adapter à son idée hétéronymique. Donc, comme toujours, avec Pessoa, il faut être sur ses gardes et ne pas accepter d'emblée ce qu'il nous dit. Et même Casagemontel et tous les critiques qui l'ont succédé, on a accepté comme indiscutable toute cette histoire du jour triomphal. Voilà, peut-être, c'est encore une mystification du poète. Perdido no mar indefinido, o segundo pediu licença ao rei ter a fé e na lei de descobrir em procura. Ana de Carvalho. Pessoa a toujours été considéré comme un poète important au Portugal, mais seulement pour une partie de son œuvre. Quand j'étais enfant et adolescente, et finalement, je crois, jusqu'à 1974, Pessoa faisait partie des auteurs obligatoires au lycée et même à l'école primaire, je crois, mais seulement pour son livre « Message ». « Message » était un livre qui pouvait être lu sous deux aspects, puisque de toute façon, il parlait de l'histoire du Portugal. C'est un ensemble de petits poèmes, de courts poèmes qui couvrent une période de l'histoire du Portugal. Le Portugal devient quelque chose de grand. Il n'y a pas la chute après, il n'y a que la grandeur. Et évidemment, elle était commode, cette grandeur, pour le régime en place. Et donc, on étudiait Pessoa. Si on voulait en savoir plus, il fallait acheter les autres livres. Mais on ne faisait pas vraiment beaucoup de publicité. Les professeurs n'en parlaient pas vraiment. Moi, je les ai achetés, je les ai lus. Et d'ailleurs, pendant des années, avant d'avoir découvert l'autre Pessoa, ce Pessoa-là de message, pour moi, était synonyme de propagande, ce qui était une erreur fatale. Por ser a voz do solar E quando vem Vem a figura Da febre e da amargura Confico os olhos raços da ânsia Fitando a proibida Azul distância, fitando a proibida, azul distância. En la personne de Teresa Rita Lopes, nous avons certainement l'une des personnes les plus compétentes en ce qui concerne le cas Pessoa. Nous lui devons deux ouvrages. Je parle uniquement de ses ouvrages en français, bien sûr. L'un qui a paru à la Fondation Gulbenkian, qui a pour titre Fernando Pessoa et le drame symboliste, héritage et création. L'autre est une sorte d'anthologie. Une entreprise, Teresa Rita Lopes, très très importante à mes yeux, c'est pour titre Le théâtre de l'être. C'est une anthologie, c'est-à-dire ce sont des textes que vous avez rassemblés, que vous avez traduits et surtout que vous avez mis en situation. Or, vous allez nous situer évidemment le théâtre de Pessoa, mais j'insiste, car ceci n'est pas le théâtre de Pessoa. C'est un théâtre que vous avez été chercher à l'intérieur de Pessoa, restituant ainsi ce qu'il avait dans l'arrière-plan de sa pensée, c'est-à-dire d'écrire un Faust. La conception que Pessoa a du théâtre, quand il revendique donc cette qualité de dramaturge, vraiment les gens ont mis très longtemps à lui reconnaître, c'est qu'il pense, il a une conception du théâtre qui est plutôt celle des symbolistes, et pas celle qu'on a couramment. C'est une, quelque sorte, alors c'est une expression à lui aussi, une tragédie intime. C'est quelque chose qui se passe des attributs, pour ainsi dire, extérieurs du genre, et qui exige donc en quelque sorte un metteur en scène, donc que le lecteur soit le metteur en scène du texte. C'est pourquoi j'ai fait ce rapprochement entre Fernando Pessoa et,
et les conceptions des symbolistes dans le domaine du théâtre, Mallarmé en tête, Pessoa, je crois, il appréciait Mallarmé. Je ne vais pas dire qu'il s'est inspiré de Mallarmé, pas du tout, parce que ils ont des parcours tout à fait différents et propres. Mais disons que sa conception était plus près, donc, de celle de Mallarmé. Ce qu'il y a de très particulier chez Pessoa, et ce qui donne au lecteur donc un rôle encore plus important, c'est que non seulement chaque lecteur doit imaginer le monologue théâtral que chaque hétéronyme joue, représente, mais en plus il lui faut donc mettre en scène, mettre en situation les monologues de tous les hétéronymes. Parce que Fernand Pessoa, il a affirmé que chaque hétéronyme, il constitue un drame. Et, je cite, « tous ensemble, un autre drame ». Il s'est même expliqué davantage, il dit que ça fait donc un théâtre en personne au lieu d'un théâtre en acte. Il est évident que là, vous reconstituez ce théâtre. Et si on reconstitue, par exemple, si on tente de reconstituer le théâtre de Mallarmé, on obtient un texte critique de Mallarmé énorme et le texte théâtral, ce qui peut aboutir au texte théâtral de Mallarmé, très très mince. Alors que vous, dans le théâtre de lettres, vous arrivez à 500 pages ou presque de théâtre, enfin, où les hétéronymes, chacun joue, mais joue le personnage et pas l'acte, enfin, encore une fois, ou le moi. Parce que, enfin, je pense qu'avec Pessoa, on arrive toujours au moi. Ah oui. Et tout hétéronyme chez Pessoa est une rupture du moi, est une même impossibilité d'être le moi. C'est une rupture dans la mesure, du moins, il a dit, je me rappelle, un vers d'un de ses hétéronymes, Alvaro de Campoche, un poème qui se termine. Et je rentre à la personnalité comme à une station terminus. Bon, alors ça pour dire, pour parler de ce moi, c'est que le monologue, disons, ce théâtre, si vous voulez, ce théâtre de l'être, est en quelque sorte un voyage. Le mot voyage, c'est aussi obsessif chez Pessoa, partout, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte un voyage chamanique, pour ainsi dire, un voyage rituel, jusqu'au plus profond, au très fond, disons, de l'être, jusqu'au noyau de l'être. Donc, ce voyage qui va de cette station terminus que la personnalité représente, jusqu'à des couches plus intimes, jusqu'au noyau de l'être. C'est comme si l'être, en quelque sorte, était un oignon, si on peut s'exprimer d'une façon prosaïque, voyez. Ce voyage aurait donc consisté à la traversée de ces différentes couches. Et chaque hétéronyme représente, pour ainsi dire, une de ces couches. Disons, Alvaro de Campoche, c'est disons, la couche la plus superficielle, celle qui est la plus proche de la personnalité, cette station terminus. Tout d'abord, j'ai lu Albert Campos comme enfin, mon préféré. Aujourd'hui, je continue à être persuadée qu'il est le protagoniste, disons, de ce théâtre. C'est celui qui feint. Je pense à ce fameux couplet que tout le monde connaît de Pessoa. Vous savez, il y a beaucoup de traductions. Le poète sait l'art de feindre. Il feint si complètement qu'il va même jusqu'à feindre la vraie douleur qu'il ressent. Alors, l'art de feindre, l'art du fingidor, comme on dit en portugais, alors là, c'est le noyau, c'est le, vraiment. Mais alors, pour dire que Albert Campos, à mon avis, serait donc celui qui feint, pour ainsi dire, qui mime à la fois les angoisses et les pulsions de Pessoa, c'est à la fois son attrait et sa répulsion de la vie, c'est-à-dire son appétit et son refus de la vie. Autopsychographie. Le poète, c'est l'art de feindre. Il feint si complètement qu'il en vient à feindre qu'est douleur, la douleur qu'en fait il sent. Et ceux qui lisent ses écrits, dans la douleur lue, sentent bien, non les deux qu'il a connus, mais celle qu'il n'éprouve point. C'est ainsi qu'en ces engrenages,
tourne, joujou de la raison, ce petit train mécanique qui, de cœur, porte le nom. O ritmo antigo que há em pés descalços, esse ritmo das ninfas repetido quando sob o arvoredo batem o som da dança, vós na alva praia, relembrai, fazendo que escura a espuma deixa, vós infantes que ainda não tendes cura de ter cura, responde ruidosa a roda enquanto arqueia Apolo como um ramo alto a curva azul que doura e a perene maré flui enchente ou vazante. Michel de Guige revient à une idée qui m'obsède un peu, c'est que effectivement Fernando Pessoa a beau être un poète disons éclaté puisqu'il a plusieurs voix, il y a la fameuse question des hétéronymes. C'est également un poète physiquement assez inexistant. Et cependant, il est là. Il y a un art poétique. Que cet art poétique soit une approche très engagée dans une forme, et bien une forme, de modernité est incontestable. Mais c'est quand même cet art poétique que j'aimerais que vous tentiez de dégager pour nous. Comment dire ça? Ce qui est au fond, j'essaye de retrouver le climat d'étrangeté de cette approche. C'est-à-dire, d'une part, quelque chose vient de très loin, quelque chose de très différent, de très exotique pour nous, du fond d'une langue, que je dis nous parce que nous sommes nombreux, que nous ne connaissons pas, bien qu'elle soit dans cette proximité de la latinité, quelque chose qui va, un poète qui ramasse, qui rassemble une tradition qui vient d'ailleurs au fond de l'autre côté de la terre aussi, qui vient de très loin, et en même temps, donc à l'autre pôle, quelque chose d'étrangement proche, cette modernité qui se concocte et qui se concentre au début du XXe siècle et dont nous sommes encore les héritiers. Et pour prendre un exemple, je me rappelle le choc que j'avais ressenti en lisant la traduction du fameux poème Ulysse, les trois strophes de cinq, que Jacobson et ses disciples nous proposaient en 1968. Là, il y a quelque chose d'extrêmement proche et quelque chose d'extrêmement lointain, et c'est ça qui fait pour nous ce lieu d'énigme et d'inquiétude, dans quoi je pense que nous vivons encore. C'est-à-dire, il n'y a chez Pessoa rien qui puisse être dépassé ou classé pour nous. Il nous accueille dans cette étrangeté. Laquelle? Eh bien, par exemple, quand je lis la dernière strophe, « Ainsi, la légende jaillit en entrant dans la réalité, et en la fécondant, elle s'écoule. » En bas, la vie, moitié de rien, meurt. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'en même temps que j'entre dans ce poème de Pessoa, j'entends quelque chose de Kafka et de sa fable de Prométhée, qui d'ailleurs s'est probablement écrite après ce poème-ci, dans le temps, mais néanmoins, il est contemporain de Kafka, ainsi la légende jaillit en entrant dans la réalité. Et puis, la fin du poème, en bas, la vie, moitié de rien, meurt, ça fait un écho du Hälfte des Lebens de Hölderlin. Donc c'est quelque chose qui rassemble dans sa simplicité extraordinaire de ce poème, le choc du tout et du rien, le choc du sans avoir existé, il fut, le choc de l'existence et de l'être, de ce choc. Et donc, ça vient du fond de sa tradition, qui est encore une fois très étrange, d'une autre langue, et en même temps, ça rapproche pour nous des éléments qui sont ceux de notre modernité, l'écho de Kafka, l'écho de Hölderlin. Voilà ce que je veux dire. Et c'est pourquoi, il m'est arrivé dans un poème que j'ai publié, sous le recueil s'appelait Jumelage. Et je me suis permis d'écrire un petit poème à l'intérieur d'un grand poème qui s'appelle La Rose des Langues de Paris, et d'avoir deux strophes dédiées à Pessoa, comme une espèce d'écho à l'énigme de son mythe d'Ulysse. Alors je dis ceci, c'est moi qui ai écrit sur un ton pessoïque en français, bien entendu. Ce qui n'a pas lieu n'a jamais eu lieu. Ce qui a lieu a déjà eu lieu, mais qu'est-ce qui a lieu? Jamais supplique n'obtint que pesanteur fut déviée. Jamais vouloir n'a troublé la calme répartition. Jamais un corps de Dieu n'a rejailli de la pierre.
Bon, voilà, il m'était venu tout à coup, ces quelques lignes, ces quelques vers, et je me suis dit, tiens, ça, c'est une sorte d'écho dans ma tête, je ne sais pas comment c'est venu, une sorte d'écho à l'énigme du poème de Pessoa. L'étage est plus beau que la rivière qui traverse mon village. Mais l'étage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village, parce que l'étage n'est pas la rivière qui traverse mon village. L'étage est plus beau que la rivière qui traverse mon village. Mais l'étage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village, parce que l'étage n'est pas la rivière qui traverse mon village. L'étage porte de grands navires, et à ce jour, il navigue encore pour ceux qui voient partout ce qui n'y est pas, le souvenir des nefs anciennes. L'étage descend d'Espagne, et l'étage se jette dans la mer au Portugal. Tout le monde sait ça. Mais bien peu savent quelle est la rivière de mon village, et où elle va, et d'où elle vient. Et par là même, parce qu'elle appartient à moins de monde, elle est plus libre et plus grande, la rivière de mon village. Par l'étage, on va vers le monde. Au-delà du Tage, il y a l'Amérique et la fortune pour ceux qui la trouvent. Nul n'a jamais pensé à ce qui pouvait bien exister au-delà de la rivière de mon village. La rivière de mon village ne fait penser à rien. Celui qui se trouve auprès d'elle est auprès d'elle, tout simplement. On parle d'un poète alors rêvant, mais je me souviens la dernière fois que j'étais à Lisbonne, on s'assied dans n'importe quel café, n'importe quel bodega où l'on veut, eh bien on regarde un peu et puis on voit Pessoa assis à une table voisine. Il y a même dans la banalité de Pessoa, il y a toute la banalité portugaise lorsqu'on la rencontre, et c'est comme s'il glorifiait cette banalité. Personnage banal avec le chapeau, avec les petites lunettes, qui est assis comme ça devant un verre de vin, vous fait penser à Pessoa et du coup il n'est plus ce personnage qu'il semble être. Il y a une grâce de Pessoa qui le touche, en tout cas à vos yeux. C'est vrai, il y a cette banalité qui était quand même mal vécue quand on voit le journal de l'inquiétude. Il y avait ça, mais il y a quelque chose qui le rapproche quand même d'autres poètes. C'est, si vous voulez, on ressent quand même dans toute sa poésie, c'est ça qui m'attire aussi, c'est l'appel du voyage, je dirais, l'appel de l'ailleurs. Enfin, cette volonté, si vous voulez, d'aller ailleurs, d'exprimer cet appel. Et ce que seulement peut faire un poète, parce qu'il y a un texte de Michaud sur le voyage où il dit qu'effectivement, il n'y a pas de poète du voyage, il n'y a que des poètes qui ont exprimé l'appel du voyage. Et je crois que ce qui, comme ça, pour moi, est tout de suite intéressant chez Fernando Pessoa, c'est ce personnage qui n'a jamais quitté Lisbonne, a fait des odes maritimes absolument extraordinaires. Alors, pour un lecteur moyen, le premier intérêt de quelqu'un comme ça, c'est, je crois, de voir là se déployer devant lui la force de l'imaginaire. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des écrits d'amour. Parce que bon, il y a des tas de références amoureuses chez Pessoa, alors qu'on se demande s'il a connu une femme, quelqu'un qui vous décrit les tropiques sans y avoir été, je trouve ça fantastique. Bon, il ne décrit pas de sur le point de vue réaliste, mais si vous voulez, il donne l'idée des tropiques. Oh, mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Je rêvais d'un marin qui se serait perdu dans une île lointaine. Dans cette île, il y avait des palmiers immobiles, très peu, et de vagues oiseaux les effleuraient. Je n'ai pas vu s'il s'y posait parfois. Depuis qu'il avait échappé au naufrage, le marin vivait là.
comme il n'avait aucun moyen de retourner dans sa patrie et qu'il souffrait chaque fois qu'il s'en souvenait, il se mit à rêver d'une patrie qu'il n'aurait jamais eue. Il se mit à imaginer avoir eu une autre patrie, une autre sorte de pays, avec d'autres sortes de paysages et d'autres gens, et une autre façon de se promener dans les rues et de se pencher aux fenêtres. À chaque instant, il construisait en rêve cette fausse patrie. Porte dans mon cœur comme dans un coffre impossible à fermer tant il est plein, tous les lieux que j'ai hantés, tous les ports où j'ai abordé, tous les paysages que j'ai vus par des fenêtres ou des hublots ou des dunettes en rêvant. Et tout cela, qui n'est pas peu, est infime au regard de mon désir. Ce qu'il y a de très étonnant en lisant Pessoa en personne, José Blanco, c'est évidemment de te rencontrer, de tomber littéralement sur les fameuses lettres à Ophélie. Parce que voilà, Pessoa, amoureux, mais un amoureux fou, on peut parler de l'amour fou, puisqu'en réalité ces lettres sont écrites comme par un surréaliste. Elles sont écrites comme, je ne sais pas, comme Crevel aurait pu écrire certaines de ses lettres. Il va plus loin que Breton. En tout cas dans l'Union libre, et vraiment c'est absolument surprenant. Alors à qui douterait de l'existence de Pessoa, il suffirait de ses lettres pour tout convaincre du contraire. Et plus encore, qui douterait de l'existence des hétéronymes devrait reviser son jugement, puisque dans certaines lettres, Pessoa dit « ce n'est pas moi qui viendrai, c'est Caero ». Ophélia, d'abord, elle vit toujours. Elle vit toujours à Lisbonne, d'une vieille dame que je n'ai pas l'honneur de connaître. Elle vit une vie très retirée. Elle n'apparaît pas en public. Ses lettres d'amour à Fernando Pessoa n'ont jamais été publiées, mais peut-être un jour, elle dit, à ce qu'il paraît, qu'après sa mort, elle autorisera la publication. C'était une femme remarquable, très intelligente, qui est vraiment tombée amoureuse de ce monsieur, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, un monsieur distingué, sympathique, qui était vraiment amoureux d'elle. Elle, dans les lettres, j'en ai lu quelques-unes, elle parle même, elle envisageait très sérieusement le mariage. Elle avait commencé même à faire son trousseau pour le mariage. Donc, c'est à mon avis un chapitre important de la vie de Pessoa. À la fin, évidemment, il a vu qu'il n'était pas fait pour une vie de mariage. Et il dit dans sa fameuse lettre de rupture que c'est son œuvre qui compte et son œuvre qui passe avant tout. Donc il a dû abandonner encore en des projets, des multiples projets de Pessoa, le mariage, une vie familiale normale, qu'il a dû abandonner au bénéfice de son œuvre. À Ophélie Queiroz. Vilain petit bébé. Comme promis, je vais écrire à mon bébé, ne serait-ce que pour lui dire qu'il est très mauvais, sauf en une chose, l'art de feindre, où je vois qu'il est passé maître. Tu sais, je t'écris. Mais en ce moment, je ne pense pas à toi. Je pense au regret que j'ai du temps où je chassais les pigeons. Et c'est là, tu le sais, une chose qui ne te regarde pas. C'était bien aujourd'hui notre promenade, n'est-ce pas? Tu étais de bonne humeur, j'étais de bonne humeur, et la journée aussi. Quand pourrons-nous nous retrouver quelque part seuls tous les deux, mon amour? Ma bouche est toute drôle, tu sais, depuis le temps qu'elle manque de baisers. Mon bébé à prendre sur les genoux, mon bébé à mordiller, mon bébé à... Et après, le bébé est méchant et me bat. Viens, mon bébé. Viens près de ton ninino. Viens dans les bras de ton ninino. Pose ta petite bouche sur les lèvres de ton ninino. Viens. Je suis si seule de baiser. Si seulement j'étais sûre que tu as envie d'être près de moi pour de vrai. Cela me réconforterait tout de même. Mais toi, si cela se trouve, tu penses moins à moi qu'au garçon aux roucoulades, à DAF et aux comptables de CD et C. Vilaine, vilaine, vilaine. Une bonne fessée. Voilà ce qu'il te faudrait. Au revoir.
je vais me coucher dans un seau la tête en bas pour me reposer l'esprit. C'est ce que font tous les grands hommes. Du moins quand ils ont primo de l'esprit, secondo une tête, tertio un seau où mettre leur tête. Un baiser, un seul. Mais aussi long que doit encore durer le monde. De ton, Fernando Nininho. 5 avril 1920. Dans les rapports avec Ophélia, évidemment, Pessoa, il jouait à fond le jeu hiéronymique. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle-même, elle acceptait le jeu et y entrait. Donc elle disait, elle a écrit ça même dans des lettres qui n'ont pas encore été publiées, « Je déteste M. Howard Kampusch. Celui qui j'aime, c'est Fernando Pessoa. » Donc elle acceptait le jeu et Fernando Pessoa, très consciemment, jouait avec elle le jeu des hétéronymes, jusqu'à la limite d'écrire, de souscrire une lettre signée par son ami, son vieil ami, l'ingénieur Howard Kampusch. À Ophélie Queiroz. Mademoiselle, un abject, un misérable individu du nom de Fernando Pessoa, un ami très cher, m'a chargé, considérant que son état mental lui interdisait de communiquer quoi que ce soit, même à un petit pois sec, bel exemple d'obéissance et de discipline, de vous communiquer qu'il vous est défendu de 1. Perdre du poids. 2. Manger peu. 3. Ne pas dormir. 4. Avoir de la fièvre. 5. Penser à l'individu en question. Pour ma part, et parce que je suis un ami intime et sincère du voyou dont je transmets à regret la communication, je vous conseille de prendre l'image mentale que vous avez pu vous faire de l'individu dont le message salit ce papier d'une relative blancheur et de jeter cette image mentale à la poubelle, puisqu'il est matériellement impossible d'en faire autant à cet être d'apparence humaine, destin qui lui conviendrait, en bonne justice, s'il y avait une justice au monde. Avec mes compliments, Howard Kampusch, ingénieur naval. 25 septembre 1929. José Blanco, il y a une chose qu'on oublie également régulièrement, c'est le fait que Pessoa a une présence littéraire, je veux dire active, dans la vie portugaise. Et quelque part, Armand Guibert, inlassable révélateur en France de l'œuvre de Pessoa et de Pessoa lui-même, écrit quelque part qu'il a suffi de 2 numéros d'Orfeo, la revue fondée par Pessoa, créée par Pessoa, animée par Pessoa, pour modifier, métamorphoser, bouleverser la vie culturelle portugaise. Bien sûr, il n'a pas collaboré qu'à Orfeo, qui n'a eu que 2 numéros, encore une fois, mais il y avait également Presencia, et là, je crois que c'est très différent. En ce qui concerne Orfeo, c'était vraiment une période euphorique de sa vie, avec le lancement de cette revue, qui était une de ses ambitions depuis longtemps. Dès le début, il pense à lancer une revue littéraire, artistique, qui serait une révolution au Portugal. Et finalement, il a réussi à le faire à travers Orfeo, dont il était en directeur. Et avec Orfeo, en 1915, il lance vraiment, il fait une révolution littéraire au Portugal. On peut dire qu'il y a 2 périodes dans la littérature contemporaine portugaise, la période avant et après Orfeo. Orfeo, c'était vraiment la rupture totale avec le passé. Presença, c'est un cas différent. Pessoa, à ce moment-là, c'était dans les années 6 ou 7 ans après, il se considérait déjà vieux en comparaison avec les jeunes qui lançaient à Coimbra une revue littéraire dont le titre était Presença. Il a été collaborateur de cette revue. Il n'était pas l'organisateur, il n'a pas lancé Presença. C'est surtout João Gaspar Simões, le critique qui est encore vivant, qui a été le grand moteur derrière le lancement de Presença, à laquelle Pessoa a collaboré avec beaucoup d'intérêt. C'était pour lui une revue de jeunes, mais à laquelle il a donné une collaboration très, très, très importante. Mais le contexte, c'était tout à fait différent. Presença, on peut la définir comme le deuxième modernisme portugais, une nouvelle phase complètement différente d'Orfeo, qui est vraiment le moment scandaleux de rupture avec le passé.
presença, disons, c'est la continuation d'Orfeo, mais en termes, disons, beaucoup plus modérés. Desci por não ter mais força, as águas verdes sem fundo. Desci por não ter mais força, as águas verdes sem fundo. Mesmo que voltem as forças, não quero voltar ao mundo. Il y a à Lisbonne un petit nombre de restaurants ou bistrots qui se composent d'un rez-de-chaussée dont l'apparence est celle d'une taverne décente, surmontée d'une salle à l'aspect lourd et familial de restaurants de petite ville, par où le chemin de fer ne passe pas. Dans ces salles, peu fréquentées sauf les dimanches, on rencontre généralement des types curieux, des visages sans intérêt, une série d'apartés dans la vie. Un désir de tranquillité et les prix avantageux m'ont fait devenir à une certaine période de ma vie un habitué d'un de ces lieux. Quand par hasard je dînais vers 7 heures, il m'arrivait d'y trouver un individu dont l'aspect, qui ne m'intéressait guère au début, peu à peu se mit à m'intéresser. Un certain jour, rapproché peut-être par la circonstance absurde d'être venus tous les deux dîner à 9h30, nous engageâmes une conversation banale. À un moment donné, il me demanda si j'écrivais. Je répondis oui. Je lui parlais de la revue Orfeo, parue depuis peu. Il m'en fit des éloges, beaucoup d'éloges. Et ce fut alors que je m'étonnais vraiment. Je me permis de lui faire remarquer que cela me surprenait, parce que l'art de ceux qui écrivent dans Orfeo n'est accessible qu'à peu de gens. D'ailleurs, ajouta-t-il, cet art ne lui avait pas apporté, à proprement parler, quelque chose de nouveau. Et timidement, il ajouta que n'ayant ni où aller ni rien à faire, aucun ami à visiter, aucun intérêt pour la lecture, il avait l'habitude de passer ses nuits dans sa chambre louée, à écrire, lui aussi. Il faudrait que le lecteur remarque que, même si je publie le livre de l'inquiétude comme étant d'un certain Bernardo Soares, aide-comptable dans la ville de Lisbonne, je ne l'ai cependant pas inclus dans ces fictions de l'interlude. C'est que Bernardo Soares, différent de moi par ses idées, ses sentiments, ses façons de voir et de comprendre, ne l'est pas par le style de son expression. Dans les auteurs des fictions de l'interlude, ce ne sont pas seulement les idées et les sentiments qui se distinguent des miens. La technique même de la composition, le style même est différent du mien. Chaque personnage y est créé intégralement différent, et non pas seulement différemment pensé. C'est pourquoi dans les fictions de l'interlude, prédomine le vers. En prose, il est plus difficile de devenir autre. On a parlé de voyage, et de voyage chamanique, rituel, dans certains cérémonial, n'est-ce pas? Donc on peut parler d'étapes. Teresa Rita Lopes. Il y a plusieurs étapes dans ce voyage, voyage rituel, n'est-ce pas? La première étape, celle qui est plus près de la personnalité, on a vu que c'était Campos, n'est-ce pas? Donc l'autre étape, celle qui correspond déjà à cette couche plus intime, vers le noyau de l'être, que Pessoa appelle Dieu, mais c'est un Dieu très hétérodoxe, disons qu'il est très hétérodoxe, Pessoa, vis-à-vis de n'importe quelle croyance. Donc il faut Dieu, c'est vraiment Dieu, la grande ogive, comme il dit, au bout de tout. Il donne plus de précision. Jamais il donne plus de précision sur ce Dieu, ce noyau de l'être. Bon, mais alors l'étape, disons donc étape suivante, serait déjà en quelque sorte un de ses maîtres. Il s'appelle Ricardo Reis. Par rapport à Campos, il essaye d'apprendre à Pessoa et à Campos aussi, la sérénité, en quelque sorte. Et pour ça, il prend de la distance vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce quotidien où Álvaro de Campos s'enlisse. Reich, donc, énonce en quelque sorte les préceptes qui leur permettront de ne pas avoir à la fois peur de la vie et de la mort, de ne pas en souffrir. Voit de loin la vie,
ne l'interroge jamais, dit Ricardo Reis. Seulement, comme Pessoa lui-même l'a défini, il représente un épicurisme triste. Donc c'est encore un être triste. Et finalement, on comprend ce que le vrai maître, l'étape suivante, d'après Alberto Queiro. Ça, c'est celui que tous les autres et Pessoa lui-même a appelé le maître, tout court, n'est-ce pas? Ce qu'il représente, c'est la joie. La rencontre, c'est cette joie que Pessoa n'a jamais trouvée, vers laquelle il s'est toujours dirigé, pour ainsi dire. Le bout du chemin, c'était donc cette rencontre avec ce noyau de l'être dont on parlait, qui était à la fois la joie, de l'innocence de l'enfance. Ce qu'elle avait à la fois l'innocence d'un enfant, d'un dieu et d'un animal. J'ai parlé de voyage chamanique. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Disons, c'était donc l'être les plus libérés de toutes les chaînes. C'est une ascèse très particulière qui a pour but, comme je crois toute ascèse, la libération de l'être. Ces chaînes, c'est-à-dire de sa souffrance, de sa tristesse. Au fond, c'est un chemin initiatique, mais très particulier. Pessoa ne suit aucun modèle connu. Mestre, sem o saber do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na ara da nossa alma interna a que repele eterna chama, a sombra eterna. Toi, le maître sans le savoir, de ce temple que Portugal fut choisi pour devenir, toi qui connus la gloire et donna l'exemple de le défendre. Ton nom, élu dans sa gloire, est sur l'autel intérieur de notre âme, l'éternelle flamme qui repousse, l'ombre éternelle. Dans notre autobiographique, il l'a écrite quelques mois avant de mourir. C'est une espèce de résumé de toute une vie qui a été publiée déjà très souvent, mais jamais intégralement. Par des raisons obscures, qu'on n'a jamais su quelles elles étaient, il y a des passages de cette note autobiographique qui n'ont jamais été publiés et sans être censurés. Les extraits qui n'ont pas été publiés, ça concerne d'abord la position, ce qu'il appelle sa position initiatique. Avant, il parle de sa position religieuse en disant « chrétien gnostique et par conséquent tout à fait opposé à toutes les églises constituées, surtout à l'église de Rome, fidèle pour des raisons plus loin implicites à la tradition secrète du christianisme en rapport étroit avec la tradition secrète d'Israël, la Sainte Kabbale, et l'essence occulte de la maçonnerie. » Bon, après ça, il y a un autre paragraphe, celui qui a été supprimé. Position initiatique. Initié par communication directe de maître à disciple aux trois grades mineurs de l'ordre cessamment aboli des Templiers du Portugal. C'est ça, c'est une révélation très importante parce qu'il y a une partie très intéressante et très importante de son œuvre, la partie le côté ésotérique, qui peut-être est un peu expliqué par cette révélation qu'il a été initié par communication directe aux trois grades mineurs de l'ordre des Templiers. On sait qu'il a surtout approché et connu les textes d'Annie Besant, de Blavatsky, de Lidbiter, car il a traduit pour un éditeur portugais 6 ou 7 volumes de la bibliothèque théosophique. Mais il s'est beaucoup intéressé également à la maçonnerie, par exemple.
la maçonnerie opérationnelle telle qu'elle a été pratiquée en France par Martinez de Pasquali, dont on pouvait douter qu'il avait peut-être des origines portugaises, n'est-ce pas? Il y a même des papiers dans cette fameuse malle aux 27 000 feuillets manuscrits, des papiers dans lesquels il projetait d'écrire pour se renseigner sur Louis-Claude de Saint-Martin, par exemple. Mais alors, je passe par là pour en arriver à cette glorification du Portugal. Car Pessoa a préfacé un ouvrage contemporain qui venait d'être écrit, l'auteur lui a soumis son manuscrit, il a fait une préface, et ce qui prouve qu'il n'était quand même pas aussi négligeable que cela, n'est-ce pas? Et que soutient cet auteur? Une thèse ésotérique, mais très très bien connue par les Portugais, qui agite le Portugal, peut-être plus aujourd'hui, je n'en sais rien, et c'est celle de l'empereur en attente, de l'empereur masqué, de l'empereur dissimulé, à peu près comme le grand Frédéric, dernier empereur de l'empire germano-romain, gît dans une caverne du Ars, attendant le réveil, de la même façon que les chiites ont leur imam caché. Eh bien, c'est un empereur portugais qui, lors d'une bataille à la fin du XVIe siècle, contre les Marocains, a perdu cette bataille, et on a retrouvé aucun de ses vêtements, aucune de ses armes, ni son cadavre, ni le cadavre de son cheval, rien. Alors on a dit, il n'a pas été tué par les Marocains. Il est caché. Et il reviendra. Et avec lui, reviendra la grande gloire lusitanienne, c'est-à-dire le Portugal entraînant, mais cette fois, non plus à la conquête d'autres terres, mais à la conquête uniquement de la paix, tout l'Occident. Et je crois que ça, c'est très important dans la formation de la constitution spirituelle de Fernando Pessoa. Tel un ciel éclatant d'étoiles, celui que voici, empereur de la langue portugaise, nous couvrit de sa gloire et de sa grandeur. Dans l'espace immense de sa méditation, constellée de formes et de visions, surgit présage du clair de lune, le roi Don Sebastian. Non, ce n'est pas le clair de lune, mais l'éclat de l'éther, c'est le jour. Et dans le ciel dilaté par l'attente, l'aube irréelle du cinquième empire dore les rives du Tage. Et les autres hétéronymes, est-ce qu'ils jouent leur rôle dans le théâtre? Bon, alors là, il faudrait établir une différence déjà entre ce que j'appellerais les hétéronymes. Il n'y a que trois. D'ailleurs, c'est déjà significatif que qu'il ne soit que trois. C'est le chiffre de la création, Pessoa l'a bien précisé ailleurs. Mais il a lui-même fait établir la différence entre hétéronymes, disons, à part entière, et ce qu'il appelait parfois des demi-hétéronymes, comme Bernardo Soares, qui est aussi connu parce qu'il a écrit en quelque sorte le journal de Pessoa au long de toute sa vie. Ce journal s'appelle Le Livre de l'Inquiétude. Enfin, il y a plusieurs traductions, je l'ai traduit comme ça. Do Livro do Desassossego. Pour moi, c'est peut-être la meilleure traduction. Bon, mais Pessoa a précisé que ce Soares n'était qu'un demi-hétéronyme. Il l'appelait même ailleurs rien qu'une personnalité littéraire. D'ailleurs, il y en a d'autres, quelques-unes qui ont un nom anglais. Ce sont des Anglais. Il y en a même une française. Il y a un Français, mais c'est pas qui s'appelle Jean Seul de Mélioré, c'est un nom à particules. Mais alors là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas des étapes dans ce voyage initiatique. Ce ne sont que des masques qu'il prend toujours pour cette quête de soi, si vous voulez, de soi-même, mais qui reste au niveau zéro, pour ainsi dire, au niveau de la personnalité, cette station terminus. Il y en a eu plusieurs, donc, comme je vous dis, mais il s'exprime à travers ses personnalités littéraires. C'est lui-même qui a employé l'expression. Il s'exprime, mais il ne vole pas autre. C'était une expression à lui pour expliquer son déploiement hétéronymique. Il disait « vo outro ». Alors je traduis, enfin, je m'envole autre, voilà tout. Donc il ne s'envole pas autre à travers ses personnalités littéraires.
Il reste au même niveau. Vain noite antiquissima identica, noite rainha nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio, noite com as estrelas lantejoulas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado, vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Fundo num campo teu todos os campos que vejo. Faz da montanha um bloco só do teu corpo. Apaga-lhe todas as diferenças que de longe vejo. João Vidari, qu'on entend dire Le de la nuit de Fernando Pessoa, était un grand diseur. Il avait commencé par être comédien, d'ailleurs on peut le voir dans quelques films à grand succès des années 40 au Portugal, où il jouait plutôt des rôles comiques. Mais il était un grand lecteur et surtout un grand diseur. Je me souviens, quand j'étais petite, de l'avoir vu sur scène. C'était toujours un grand événement. On achetait sa place comme on va au théâtre, mais en fait on remplissait une salle pour voir João Vidari sur scène dire ses poèmes, et les poèmes qu'il choisissait étaient toujours très curieux. En fait, il faisait toujours du Pessoa, mais il avait choisi aussi des poètes espagnols ou brésiliens. Il avait un don pour les langues. Il fallait voir ce petit homme, s'il était petit et plutôt rond, avec des cheveux bouclés, je dirais un peu vers le roux. Sur scène, il s'animait, il devenait une sorte... On voyait la femme qui parlait, on voyait l'enfant, on voyait la vierge folle, on voyait le grand tyran, on voyait absolument tous les personnages, et pourtant, il n'en faisait pas des kilos, il avait vraiment un art spécifique du poème. Porque os sabemos fora de relação com o que há na vida. Vem solenissima, solenissima e cheia de uma oculta vontade de pulsar. Talvez porque a alma é grande e a vida pequena. E todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos ao nosso braço de frega, e só vemos até onde chega o nosso olhar. Vem dolorosa, mater dolorosa das angústias dos tímidos, tu risa bulmia das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa em febre dos humildes, sabor d'água sobre os olhos secos descansados. Viens du fond là-bas, de l'horizon livide. Viens et arrache-moi du sol d'angoisse et d'inutilité où je verdois. Uma folha de mim, une feuille de moi, lança para o norte, onde estão as cidades de hoje que eu tanto amei. Outra folha de mim, lança para o sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha de mim atira ao ocidente, onde arde o rubro que talvez seja o futuro, que eu sempre conhecer que j'adore moi, sans même le connaître. Et l'autre, les autres, tout le reste de mon être, tend vers l'Orient. L'Orient d'où vient toute chose, et le jour et la foi. L'Orient pompeux et fanatique et chaud. L'Orient excessif que jamais je ne verrai. L'Orient bouddhiste, brahmanique, shintoïste. L'Orient qui a tout ce que nous n'avons pas. L'Orient qui a tout ce que nous ne sommes pas. L'Orient où, qui sait, le Christ peut-être vit encore aujourd'hui, où Dieu peut-être existe en vérité. Et commande à toute chose. L'autre partie qui a été oubliée, si vous voulez, au sujet des œuvres publiées, il fait un petit bilan de son œuvre, et à la fin, il dit « La brochure Interregno, publiée en 1928 et constituant un plaidoyer en faveur de la dictature militaire au Portugal, doit être considérée comme non avenue. Il importe de revoir tout cela et peut-être d'en éliminer une bonne partie. » Ça aussi, c'est très important en ce qui concerne la position politique de Pessoa. La défense de la dictature, c'était publié 2 ans après le coup militaire du 28 mai. Et en 1935, Fernando Pessoa, sa pensée avait évolué tellement qu'il dit très carrément que cet ouvrage doit être considéré comme non avenu. Comme toujours, il avait beaucoup de projets, et là, il disait qu'il importe de revoir tout cela et peut-être d'en éliminer une bonne partie. Il ne l'a jamais fait parce qu'il est mort quelques mois après. En ce qui concerne l'idéologie politique, le paragraphe est tout à fait pessoin. Il dit « Estime que la monarchie serait le régime le plus indiqué pour un pays organiquement impérial comme le Portugal. Estime en même temps que la monarchie n'est absolument pas viable au Portugal. Aussi, s'il fallait choisir un régime par plébiscite,
voterai à contre-cœur pour la République. Il ajoute, conservateur à la façon anglaise, c'est-à-dire libéral, dans le cadre du conservatisme, et résolument anti-réactionnaire. Toujours la troisième personne. Donc, il y a un éloignement de lui-même. C'est un spectateur, on critique, où il se décrit à lui-même, mais du côté du dehors. Fraternité avec toutes les dynamiques, chaude promiscuité d'être partie agissante, du roulement métallique et cosmopolite, des trains haletants, de la tâche du transport des marchandises des cargos, du lent et lubrique mouvement circulaire des grues, du tumulte discipliné des usines et du presque silence chuchotant et monotone des courroies de transmission. Heures européennes. Productrice coincée entre les machines et les occupations utiles. Grande ville en repos dans les cafés, dans les cafés. Oasis de bruyantes oisivetés où se cristallisent et se précipitent les rumeurs et les gestes de l'utile et les roues dentées et les coussinets du progressif. Nouvelles minères sans âme des quais et des gares. Nouveaux enthousiasmes de la taille du moment. Quilles de tôles souriantes appuyées au doc, ou bien à sec, dressées sur les plans inclinés des ports. Activité internationale, transatlantique, canadienne, pacifique. Lumière et perte de temps fébrile dans les bars, dans les hôtels, dans les Longchamp et les derbies, et les Ascot et les Piccadilly et les avenues de l'opéra qui envahissent mon âme tout entière. Hola, les rues. Hola, les places. Hola, oh, la foule. Tout ce qui passe. Tout ce qui s'arrête aux vitrines. Commerçants. Clochards. Escrocs exagérément bien habillés. Membres évidents de clubs aristocratiques. Louches silhouettes efflanquées. Chefs de famille vaguement heureux et paternels jusqu'à la gourmette d'or qui leur barre le gilet d'une poche à l'autre. Tout ce qui passe et jamais ne passe. Présence exagérément accentuée des cocottes. Banalité intéressante et qui sait ce qu'il y a dedans? Des petites bourgeoises, mères et filles généralement, qui circulent dans la rue avec un but quelconque. La grâce féminine et fausse des pédérastes qui passent lentement. Et tous les gens simplement élégants qui se promènent et se montrent et ont finalement une âme là-dedans. Michel Deguy, donc Fernando Pessoa, à la fois un poète témoin de l'antique, je dirais, puisqu'un de ses hétéronymes reprend les vers, disons, de l'anthologie grecque. Et également, par Campos, par exemple, préfigurateur du futurisme, carrément, avec un autre de Carvalho, un autre de cet hétéronyme qui n'a laissé qu'un poème, On trouve Tsara, et l'écriture qui va jaillir de l'association entre Soupeau et Breton, plus tard, bien plus tard. Alors là, il y a évidemment cette saisie de la modernité et ce maintien du Portugal impérial, je dirais. D'autre part, Pessoa, énigme. Alors, on pourrait dire, Pessoa, ce n'est pas l'homme qui suscite des masques encore que, mais c'est l'homme qui s'avance masqué. Pessoa me fait penser à cette image de René Char, du personnage, cet Héraclite, qui a l'ongle écorché, qui lui barre les lèvres. C'est-à-dire qu'au fond, pour nous, les lecteurs qui venons après, si éclaté, si multiple que soit Pessoa, finalement,
ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas insurmontable. Je veux dire, c'est comme si nous avions 5 ou 6 œuvres, 5 ou 6 voix, 5 ou 6 tomes, 5 ou 6 époques d'un auteur. Au fond, ce que je veux dire, c'est que le nom, j'allais dire l'homonyme, non, l'onoma, l'éponyme, Pessoa, recouvre tout quand même, puisque nous avons réattribué tout. Et il n'y a pas une difficulté insurmontable à passer de la bucolique, qui est aussi évoquée, ben, l'idylle, le fond virgilien, disons. Et puis, tout à coup, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le passage du futurisme, l'écho de Marinetti, qui est là aussi. C'est une multiplicité, mais qui est quand même rassemblé dans l'unicité. C'est à notre lecture à en prendre charge et à en faire une sphère éclatée. Mais enfin, quand même, nous refaisons de l'unité avec ça. Nous attribuons à Pessoa, nous ne nous trompons pas. Nous avons... L'énigme, c'est l'énigme de sa multiplicité, mais c'est au fond l'énigme qui consiste à faire un avec du multiple. Mais écoutez, alors je peux peut-être lire deux textes, ça, les deux derniers. Je lis donc tout d'abord en portugais. Donc, en quelque sorte, il salue. Il vient à l'avant-scène, il salue. Il désigne, dans large geste de la main, la scène déserte. A minha vida, tragédia caída sob a pateada dos deuses e de que só o primeiro ato se representou. Donc, ça veut dire à peu près. Ma vie, cette tragédie jouée par les dieux, dont seul le premier acte a été joué. Il salue à nouveau. Il y a alors Swarovski qui tout à fait ferme l'acte, enfin le théâtre de l'être. Je n'ai peut-être pas atteint la nudité que je suppose. Il y a toujours des vestes impalpables recouvrant l'éternelle absence de mon âme véritable. Quelque part dans ce labyrinthe que je suis réellement. Talvez não esteja na nudez que suponho e haja ainda vestes impalpáveis a cobrir a eterna ausência da minha alma verdadeira. Alguns no labirinto do que realmente sou. Alors, il salue. Et pendant que le rideau de scène baisse, d'autres rideaux s'ouvrent au fond, interminablement. Chose qui me peine, moi personnellement, dans l'histoire de Pessoa. Pessoa était finalement un être obscur pendant qu'il était en vie. Il a été obscur pendant très longtemps pour les Portugais. Et le jour où on s'est souvenu de lui, où les pouvoirs publics se sont souvenus de lui, ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est de déplacer son corps du cimetière où il reposait depuis tant d'années pour le mettre au même endroit où est le soldat inconnu, qui est un endroit sinistre, glacé, vide et solitaire. Je trouve vraiment que ça, c'était injuste. Une vie, une œuvre. Fernando Pessoa, celui qui était personne. Une émission proposée par Hubert Juin et Jean-Claude Loiseau.
Peut-être y a-t-il dans cette fameuse malle où étaient rassemblés et parlés les hétéronymes et les brouillons, peut-être y a-t-il encore un autre que tous les autres qui nous attend, je ne sais pas, mais on pourrait se plaire à cette rêverie-là d'une dernière apparition d'un autre, encore autre que tous les hétéronymes de Pessoa et qui nous attendrait dans le recet de la malle, dans le fond, dans le double fond de l'armoire à manuscrits. Avec la participation de Teresa Rita Lopes, Annette Carvalho, José Blanco, Philippe Arbezard, Michel Deguy. Texte, Fernando Pessoa, le théâtre de lettres par Teresa Rita Lopes, Pessoa en personne, lettres et documents par José Blanco, édition La Différence, Fernando Pessoa, poète pluriel, édition Les Cahiers du Centre Georges Pompidou et de La Différence, poésie d'Alvaro de Campos, préface et traduction d'Armand Guibert, poésie Gallimard, lue par Fred Persson et Annette Carvalho, document Fondation Carlos Gulbenkian de Lisbonne. Enregistrement et mixage, Marie-Dominique Bougaud, Jean Frédérics, Gérard Servet. Quand viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même façon, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au printemps dernier. La réalité n'a pas besoin de moi. J'éprouve une joie énorme à la pensée que ma mort n'a aucune importance. Une vie, une œuvre, Fernando Pessoa. Cette émission a déjà été diffusée sur France Culture les 2 avril et 6 juin 1987.